Salut, ça roule. Bon, je vais vous faire une petite vidéo vite fait pour montrer comment on passe le faisceau électrique dans le combi ancien, le T1. Alors, première chose, passez dans le trou ici. Ici, il va y avoir un caoutchouc, hein. Et alors, vous enroulez le faisceau dans du scotch comme ça. Et vous faites, ici, il y a un virage, il y a une boucle. En fait, il est pris comme ça. Et là, en fait, on va accrocher une grosse tige de fer pour pouvoir le pousser dans le châssis, parce qu'autrement, ça rentre pas. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je fais ça. Donc, alors, tu vois, parce qu'en fait, il passe à l'intérieur, ici, il va passer là-dedans. C'est pas facile à filmer, je suis en dessous. Et il va ressortir ici. Il va ressortir ici. Donc tu vois, en fait, j'ai pris deux baguettes de soudure que j'ai mis ensemble. Et en fait, regarde. Tu vois? Voilà. Donc là, je vais l'accrocher ici et je vais le pousser. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai mis le fil, je l'ai passé avec un crochet là dans le virage du faisceau. Donc maintenant, je vais le pousser. Donc voilà, en fait, tu vois, il est sorti avec le crochet, comme ça. Donc là, il est sorti. Donc je suis en train de le tirer. Ok? Donc tu vois. Hop, là, ça rentre. Voilà. Donc tu vas le tirer et on va continuer comme ça. Tu vois, il y a même des fixations. Donc je vais continuer à le tirer et je te montre ça. Donc là, c'est bon, j'ai fait la même chose, j'ai passé la tige de soudure, j'ai pris le fil avec le petit crochet, et il va ressortir ici. Tu vois? Donc en fait, ça passe à l'intérieur. Souvent, t'as des mecs qui te le mettent à l'extérieur, machin, mais ça, c'est une invention, hein. Donc, voilà. Allez, on y va. Voilà, donc là, je suis devant, regarde. Voilà, regarde. Donc voilà, là il est passé. Voilà, on est en train de finir de le passer. Voilà.